Bonjour à toutes et à tous, c'est Reliance, bienvenue dans ce dans l'épisode suivant, je sais plus combien, 3 ou 4. On était resté sur cette maison-là, donc sur cette partie ici. On avait construit ces rambardes qui traverseront la piscine qui se trouvera juste en dessous. On va apporter quelques petites améliorations tout de suite, mais en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver un bon truc pour finir cette paroi ici. Alors voilà, c'est pas facile. J'essaie de trouver des trucs assez sympas, assez créatifs. Voilà, on n'a pas toujours des super bonnes idées, mais je vais essayer de trouver un truc qui donne sympa. On verra à la fin, vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. J'espère que ça vous plaira. Je ne vais pas pouvoir recommencer 25 millions de fois, hein, évidemment. Mais voilà. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, je vous demande souvent. J'ai pas beaucoup de réponses. C'est pas grave. Moi, je vais bien. C'est le week-end, c'est samedi. C'est la fête, j'ai eu une semaine assez chargée, vous allez aussi savoir bientôt pourquoi, mais en gros, c'est un gros projet qui se prépare, rien à voir avec Minecraft, hein, tout de suite, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça, j'éviterai quelques questions, rien à voir du tout avec Minecraft, ça a plus à voir avec ma vie personnelle, donc, voilà, vous en saurez bientôt plus. Mais maintenant, c'est pas tellement le sujet du tout, c'est pour ça que je vais pas vous en parler, là, on va faire le toit. The roof, va savoir comment est-ce qu'on va le faire. L'idée c'était de faire descendre ici les trucs. Donc ici je vais peut-être faire monter ça comme ça, de manière à avoir hop là de la texture et puis pouvoir mettre du verre assez easily. Par contre le seul truc ici, non ça va pas jouer, c'est ça, ça va pas jouer. Alors hop, parce que là on va mettre ça comme ça. Comme ça? Non, pas comme ça. On va mettre du simple verre. Simple vitrage que j'aime bien. Je ne l'ai pas tout prêt, donc on va le prendre. Hop. Voilà. Et puis sinon, j'essaie de trouver un nouveau truc que j'ai vu sur des serveurs créatifs, n'est-ce pas? Serveur créatif Minecraft. Pour faire des super jolis... comment on va faire? Bon, on va faire ça comme ça. Partir de ce côté ici. Aller assez loin. Et puis partir comme ça. Bam. Et puis comme ça, en fait, ça va nous donner... En fait, il va vraiment falloir que je mette l'autre. Ouais, non, en fait, celui-ci, ça va pas aller. Parce qu'après, quand on sera en haut... Oh, purée, c'est l'inverse. Merci, le verre bien propre. Hein. Ça va être l'autre qu'on va mettre. Parce que sinon, en haut, on va se retrouver embêté. Et il nous faut des blocs, vraiment. Donc, hop, je vais chercher mon truc. Désolé de la perte de temps. Heureusement que nous sommes en créative. Hein. C'est beaucoup plus simple. Hop là, là comme ça. Ensuite, on va se mettre là. Bam, comme ça. Et puis là, comme ça. Voilà. Et ça sera tout joli. Depuis l'intérieur, ça va faire sympa avec les shaders. Ça va créer des ombres en fait au sol. Il peut pas passer. Voilà. Comme ça. On va aller jusque ici, n'est-ce pas? Et puis là, on va descendre tout en bas. Enfin, plutôt, on va plutôt faire l'inverse. On va monter, voilà. Pour que je dise des bêtises, parce que pour me reprendre dans les commentaires. Voilà, comme ça. Et puis là, en fait, ce plafond-là, ça va pas aller. Il faut que je le... Comment est-ce que je vais faire ça? Parce que là, franchement, vous êtes d'accord, c'est vraiment moche. C'est moche de ces moches. Bouc, c'est moche. Comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire monter ces piliers-là? Comme ça, et puis du coup, on va continuer ça comme ça. Hop là, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, oui, mais non. Oui, mais non. Alors, comme ça, et puis ça va créer une deuxième profondeur. On va venir jusque là. Bam, bam, bam. Et puis là, on va recréer encore une autre profondeur. Ah, j'ai de la peine à cliquer aujourd'hui. C'est pas grave. Hop, comme ça. Voilà. Une autre profondeur, comme ça quand on voit depuis ici, ça peut faire assez sympa. On a deux... Voilà, ce sera... Hop là, sympa bonheur comme ça. Normalement, hein, je sais pas, je c'est juste des suppositions que je fais. Hein. Pas de plan comme d'hab. Sans plan.
Et puis là, maintenant, on va essayer d'amener ça là-bas. Donc, on était avec ce genre de truc. Ça va faire comme ça. Et puis le truc, c'est qu'on va devoir s'arrêter ici, hein. On est d'accord. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Sinon, ça va pas aller. Alors, comme ça. Et puis du coup, c'était une largeur de 2, hein, on est bien d'accord. Ah mince. Une largeur de 2, oui, mais 2 et 2 ici aussi. Voilà, comme ça. Du coup, là, on est à 2, donc ça va partir comme ça. Comme ça. On va reprendre ici directement. Je préfère ça avec World Edit, hein, avec Single Player Command, bien sûr. Mais c'est aussi rapide, rapidement fait comme ça. Je pense que ça va très bien. Et puis là, on va même continuer en fait jusque là. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait avant, hein? N'est-ce pas? C'est tout. C'est à propos des. Faut vraiment faire des formes assez bizarres. Donc là, on aura deux, trois, deux, non, deux, trois, toi qui vont, deux, toi qui vont s'en mêler. Après, on va amener ça ici comme sushi. Comme d'habitude, hein, comme sushi. Voilà, c'est mon expression à moi. Hein. Je crois que chaque youtubeur sur YouTube a ses propres expressions. Donc voilà la mienne, il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de sushi, tu fais ce que tu veux, hey. Mec. Ok, donc là on est bon. Ensuite, il y aura ça, le bloc of quartz, qu'on va devoir amener ici. Mais là, comment est-ce qu'on va faire? C'est que ici. On va sûrement devoir mettre un ou deux piliers. L'idée, c'est pas trop que je vienne. Là, on aura un deuxième. Hein. Donc, ça va venir plus loin, comme ça. Hop, là, jusque-là, en tout cas. Donc, ça va venir à peu près ici, comme. Comme ça, comme ça. Et puis là, ça va venir. Là, viens voir ici, toi. Viens voir ici, saloperie. Et hop, là. Donc épisode interdit au moins de. Interdit aux jeunes. Ou très jeunes, très jeunes. On est jeunes. On est tous jeunes devant YouTube. Et on est tous jeunes à jouer à Minecraft aussi. Mais pour les tout tout jeunes. Et là en fait ce qu'on devrait peut-être faire, c'est faire un deuxième plafond. Un peu plus petit. Le souci c'est que du coup ça va nous cacher la lumière. Non attendez. Attendez, attendez, attendez. Je fais de la mouise là. Je dis mouise pour éviter de dire merde. Je pense que vous l'aurez compris. Ok. On va ça jouer comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de bien fonctionner, il me semble. Ça a l'air plutôt bien donné le truc. Il y a juste. Là, je suis pas encore extrêmement convaincu. Là, il va falloir qu'on retombe. Hein. On va retomber ici. Et puis là, du coup, on n'a pas besoin de faire ça. Et on va ici, jusqu'en bas, toi. Que je te pose ici, que je te pose des blocs là, dès que je te pose de. Voilà, comme ça on a l'impression que le bois il est intégré à l'intérieur, ça fait joli tout mimi. Perfect! Perfecto! Est-ce qu'on est content avec ça? Moi je crois qu'on est plutôt content, me semble-t-il. Ça fait des grandes parois. Peut-être qu'on va essayer de trouver un truc pour casser ces parois. Peut-être venir faire. Venir des dalles. On va essayer, hein. On est là. De toute façon, l'épisode va durer. Enfin, la construction, cette construction-là va durer assez longtemps. Donc, hein, on a le temps de pouvoir tester des nouvelles choses, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Enfin, voilà quoi. Tout ça, tout ça, tout ça. Là, je vais peut-être faire venir une largeur, hop là, de 2 ici. De manière à. Voilà. De manière à avoir quelque chose de comac. Comac, comac. Ensuite, ici, peut-être que je me disais peut-être faire une petite allée, genre une entrée. Je me demandais, l'entrée ici, je trouve que comparée à la taille de la maison, elle pète pas des masses, quoi. Ça fait un peu la sortie de secours, je trouve, du coup. Je me demandais ça hors caméra, je me suis dit, purée, en fait, on dirait vraiment que la sortie, c'est une sortie. Au revoir, quoi, chaud. Une sortie de secours et qui vaut plus tellement. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Donc ce que je me demandais, c'était pouvoir peut-être faire ici, venir ici, puis ici faire une entrée un peu plus officielle. Et par ça, cette maison, elle sera vraiment énorme, énorme, énorme. Donc voilà, c'est un peu ce que je me demandais.
Et puis pourquoi pas, franchement, reprendre ce concept de monter quelques escaliers pour y aller, hein. Ça je dis pas. Je dis pas, ça peut être une très très bonne idée. À voir comment est-ce qu'on va faire. Pour l'instant, je sais pas vraiment, je suis encore en train de chercher un peu des idées. Mais pourquoi pas, on verra comment ça le fait. Ici, on va continuer donc notre chère maison. Mais il faut que je trouve un peu quelques idées. Je suis en train un peu de réfléchir en même temps que je vous parle. Je pense que vous avez remarqué que je faisais rien. Je faisais rien. Je cherche un peu des nouvelles idées, des nouvelles formes qu'on pourrait faire. C'est pas si facile. Je vous le dis. Mais si on part comme ça, qu'on se dit ça. Depuis ici, c'est comme ça. Genre une bonne profondeur. Que là, on va aussi rajouter une profondeur comme ça, un bloc. Donc on a une paroi qui fait 4, on est d'accord, hein. 1, 2, 3, 4, je sais compter, tout va bien. Merci de m'avoir suivi. Leçon de maths par Reliant. Une 4 comme ça. On va dire que, par exemple, si on fait genre une deuxième entrée, on va la faire en bois qui vient ici. Comme ça. Et puis là, on va monter comme ça. Là, on va se la faire comme ça. Voilà. Pas faire d'entrée ici. Attendez que je cherche. Je suis navré, il y a le téléphone qui sonne. Je vous reprends dans 30 secondes, merci. Et nous voilà pour la suite. Merci beaucoup d'avoir patienté une demi-seconde, juste le temps de d'avoir une transition. Du coup, j'ai pu réfléchir aussi un petit peu pendant que j'étais au téléphone avec ma chérie. Et puis, donc j'ai éliminé juste ce bout-là. Et puis ici, en fait, on va éliminer ça aussi. On va la remplacer par un mur de bois. Bois. Hop là, comme ça. Et puis en fait, on va bientôt stopper le mur pour revenir. Et puis en fait, ici, on va faire une espèce de deuxième étage. C'est qu'en fait, on va faire une espèce de terrasse où on va monter depuis la gauche ici. Poum, poum, poum. Donc du coup, il va me falloir. On va même monter encore une fois ici. Et puis là, on va monter. Comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on repart droit? Je pense qu'on va repartir droit jusqu'ici. Mais là, il va nous falloir aussi un peu du verre, n'est-ce pas? Alors, attendez voir que... Non, en fait, on va pas aller aussi loin que ça, parce que là, on va passer avec du Schwartz, comme ça. Et puis là, on va finir comme ça, si tout va bien. S'il le veut bien. Hop là. Par contre, là, j'ai un de trop. Hein. Oui, j'ai un de trop. Forcément que ça va pour lui, c'est pour symétrique. Hein. Par contre, là, on va pouvoir mettre notre demi... Nos glass pen. Pins. I don't know. Et puis, comment est-ce qu'on va faire? Aller ça comme ça. Si... On va la faire aller sur le côté. Puis là, en fait, je me demandais tout bêtement pour faire justement ici, là, une porte. On pourrait très bien couper ça comme ça et mettre ça... non, ça va pas aller comme ça. Mettre ça comme ça. Hop là, là. Avoir une porte ici. Mettre du verre par là. Voilà. Et puis là, on pourrait avoir quelque chose d'assez sympathique, me semble-t-il. J'espère que vous agree avec moi. Agree. Que vous aimez.
Faut remplir autour, hein. Non, en fait, je suis pas hyper hyper convaincu. On va sûrement changer quelques petits trucs. C'est clair et net. Ici, on aura la porte à cette hauteur-là. Et puis, donc, du coup, là, on va mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Comme ça, on aura une entrée là. Et puis, ça, je suis pas convaincu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer. Mais comment? Il faut forcément remplacer par un autre truc, quoi. C'est un peu ça le bordel. Si on supprime ça, si on met genre ça là comme ça. Je sais, on a des textures connectées, ça va pas. Donc là, il faut que soit je fasse. Si je peux faire. Si vous me permettez encore un petit essai. On pourrait se la jouer comme ça. Du coup, là, il faut aussi que je rajoute. Bim, 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 bim. Voilà. Du coup, là, il faut que je rajoute. Là, ça pourrait le faire. Du coup, là, là, on est à l'intérieur. Donc, ça va être un peu cac pour faire ce qu'on veut. Mais si on. Admettons qu'on fasse ça comme ça. Comme ça. Et en fait, on entoure ce machin. Là, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Maintenant, l'idée, c'est là, on est à combien? On est à 4, donc on aura le sol à cette hauteur-là. Comme ça, on a 4, c'est pas mal. Le sol à cette hauteur-là. Et puis, là, on va faire venir la paroi. Gaugory. Comme ça. Bam, bam. Voilà. Là, ça peut peut-être le faire. Donc, du coup, on a ça qui avale un peu ça. Les textures connectées ici. J'aime pas ça. On va faire ça comme ça. Comme ça. Là, attention. On ne connecte pas ça à ça. Ça va pas aller. Donc, là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que on fasse descendre ça comme ça. And here it goes. Donc ça aussi, en fait, on va faire. Je sais pas si on doit faire ça comme ça ou comme ça. Si là, on fait descendre ça, comme ça. On aura une sorte de petit hall. Et puis là, donc on a le plafond, hein, comme je disais tout à l'heure, le petit plafond ici, pour ensuite faire une terrasse dessus. Donc là, on va faire 1, 2, 3. On va le faire aller jusque là. Jusqu'ici. Là, on va mettre ça comme ça. On aura entouré évidemment de quartz. Comme ça. Encore une couche. Encore même deux couches de longueur, disons. Comme ça. Voilà, et là on a quelque chose de sympa. Et puis là, ce qu'on va même faire, c'est pour donner un peu de relief à notre histoire. C'est ça. Ça, c'est une petite astuce. Voilà, une nouvelle astuce. Mettez ça. Comme ça fait un petit rebord sympa aux vitres, tout ça. Ça donne vraiment ça. Ça donne cool. Et puis là, vu qu'on a assez de profondeur, on pourrait même faire la même chose. En soi, ce que vous pouvez peut-être faire, même, c'est ça. Hop là, désolé, je voulais pas t'enlever. Si vous voulez jouer avec ça. Ah, j'ai de la peine à cliquer où je veux. Ça me saoule. Voilà. Et comme ça, on a quelques petits trucs connectés. Connectés, disons, ça donne aussi du relief à l'intérieur. Inside. Et ce qu'on peut faire, peut-être, c'est ces deux-là. Mettre ça comme ça. Sais pas tellement. Je sais pas. Écoutez, on va laisser comme c'était avant. Et puis au pire, on changera, quoi. On n'est pas à ça près. Il me semble pas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits escaliers qui vont monter le long de cette paroi ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des escaliers. Assez large parce qu'on a la place, juste parce qu'on peut.
Hop. Et puis ensuite, hop. Et puis là, on va avoir... Donc là, ça va faire un bon mur ici. On va devoir le décorer depuis l'intérieur, de manière à ce que ça fasse pas trop trop pauvre. Ici, comme ça, voilà. Et puis hop là. Et puis là, on arriverait... on arriverait à quelque chose de comme ça. On aura juste 30 secondes. Voilà, excusez-moi. Et puis, comment est-ce que ça ferait là si on... Si on fait, genre ici, on imagine qu'on a une paroi en bois comme ça. Ça pourrait être pas mal que là... en fait, on va reculer notre truc. On va faire ça comme ça. Je sais. Voilà, comme ça. Et puis du coup, on partirait ici. Hop, hop là là. Je me gourre. Et puis en fait, on va faire ça qu'avec des demi-dalles parce que c'est plus joli. Hop, hop, hop. Et puis, hop là. Hop. Hop là, excusez-moi, monsieur le quartz. Là, ici, on remet le quartz. On arrive à cette hauteur là et au sol. Et puis du coup, on a un petit escalier. Et ici, on va arriver à par-dessus. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire... un sol en bois clair. Donc ici là, ça va rien changer, hein. On aura toujours ça depuis dessous, disons. On va pouvoir mettre aussi de la glow, comme ça, ça va faire un peu joli. Puis l'idée, c'est d'avoir vraiment une terrasse assez haute pour pouvoir mettre le sol qu'on veut sur la terrasse et le plafond qu'on veut à l'étage du dessous. Alors je vous déconseille de le faire en survival parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, mais ça peut valoir la peine. Donc là, on aura quelque chose comme ça. Et puis on va mettre des demi-dalles ici. Ah là 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 là, je me plante. Voilà. Comme ça, quand on monte ici, ça nous fait un truc assez sympa. Et puis là, on va faire remonter un bloc ici. Et puis du coup, là, on va devoir faire remonter le quartz. Évidemment, pas au même endroit que le bois. Alors là, on n'aura peut-être pas besoin. Du coup, on va devoir faire... Est-ce qu'on fait monter ici ou pas? This is the question. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est remettre le quartz ici, mettre une deuxième largeur de bois ici. On va mettre aussi quelques fenêtres. Quelques vitres. Peut-être pas là. L'idée peut-être... Je dois vous laisser encore une deuxième trentaine de secondes. Je suis navré, je reviens. Cette fois-ci, c'était vraiment bien 30 secondes pour moi, une demi-seconde pour vous. navré. Ok, on repart donc ici sur le plancher. Puis j'ai vu que ça fait 25 minutes que j'ai construit, donc je pense qu'on va bientôt arrêter. Mais pour le moment, on continue encore un petit peu. Parce que ça me plaît de construire, j'aime bien. Alors là, on va faire ça comme ça. On va pas chercher 36 000 idées. Ça va être du assez simple. Mais de l'efficace, parce que c'est ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit quelque chose d'efficace. Donc là, comment faire? Je ne sais pas. J'ai un petit souci. Si on fait venir ça comme ça, hop. En fait, le petit souci, ça peut aller. Ici, est-ce que je peux tirer ce bloc là? Oui, je peux. Magnifique. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre une profondeur ici. Et puis du coup, là, je dois tout décaler. C'est pas très grave, parce que ça, je peux l'enlever. Ça aussi, normalement. Ok. Alors, on va enlever ça. Ça aussi. Et puis là, on va faire revenir... donc, en fait, le bois, on va le faire partir ici, ici et là. Pour la même idée, de ne pas avoir deux textures de matériaux différents contigus. Et puis, venir... Hop là. Ouais, bah si, en fait, ici, là.
Et voilà. Comme ça, on a un deuxième truc assez sympa à Bonnord, hein, sans que ça ait changé grand-chose en haut. Hop là, ici. J'essaie de faire assez vite parce que c'est la fin de l'épisode. Purée, j'ai la peine à poser des blocs aussi vite, moi. Donc on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ici, ça va continuer comme ça. On va mettre, je sais pas tellement ce qu'on va mettre ici. Est-ce qu'on peut poser. Attendez, voir 30 secondes. Est-ce qu'on peut poser ça? Non, ça va pas le faire. Donc il va nous falloir une espèce de bordure. Bordure faite avec ça, j'imagine. Ouais, on va la faire avec. Ouais, non, en fait. Hop là. Ah, mais je suis un. Souci de 3D. Voilà. Un peu de souci de 3D. Deux ici. Et là, on va faire comme une terrasse qui ressemble un peu à une terrasse, hein, assez grande. That's the idea. Alors, on va faire venir ça jusqu'ici. On va faire venir ça jusque-là. Jusque-là. Voilà. Et puis du coup, nous, il va falloir qu'on fasse venir ça, en tout cas, jusqu'ici. Comme ça. Et puis là, est-ce qu'on va. Ouais, si, on va interconnecter ça. Comme ça. Très, très bien. Là, on va faire des passages, des machins, des bidules. Ça va être très, très chouette. Là, j'hésite à couvrir comme ça. Non, je crois pas. Je crois que j'aime bien comme ça. Je vais même le faire pousser le vis un peu plus loin, à faire ressortir ça de ce côté. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On va même le faire ressortir ici, tiens. Comme ça. Boum. Ça j'aime assez. Je kiffe l'idée, je kiffe grave l'idée. Par contre, en fait, ici, là, si on veut une épaisseur de 2, ça fait que le pilier doit être ici. Donc, en fait, on va même finir un poil avant, ce qui m'arrange, parce qu'en haut, là, on avait une épaisseur de 2, alors qu'en fait, on n'avait jamais fait d'épaisseur de 2. On va toujours faire une épaisseur de 1. Donc, hop, ici, hop, ça comme ça. Et puis là, on peut supprimer ça. Et puis là, on va faire un petit coin. Hop. Ici, et puis là comme ça on a toujours un peu le même truc que de ce côté-là, c'est juste de la pâle copie de l'autre côté, mais c'est très bien comme ça, on va pas chercher plus loin, si ça nous plaît, ça nous plaît, et point final. Ensuite ici, ce qu'il faudrait peut-être imaginer, c'est un accès au deuxième étage, ou un espèce ouais, de deuxième étage, assez cool, c'est haut, c'est agréable, c'est mythique. Ici, pour l'éclairage, on va travailler un peu dessus, jusqu'au. Pour vous donner une petite idée, on va faire quelque chose avec de la glow, comme ça, et comme ça, on va mettre de la glow, 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 et puis, pas à ce point, here, comme ça, tout autour. Et puis là, est-ce qu'on ferait pareil, tiens? Tiens, tiens, tiens. En fait, j'ai peut-être trouvé justement le truc. J'étais pas hyper convaincu, mais je crois qu'on va faire ça comme ça, ouais. Ouais. Carrément. Carrément, carrément. Comme ça, c'est assez haut. On aura de la lumière qui va entrer, de la lumière naturelle ici. Et puis pour l'endroit où on n'a pas, justement, on peut pas avoir de lumière naturelle, on va avoir de la lumière glowstonienne, en termes que je viens d'inventer, tout à fait, tout à fait. Donc, hop là, bah ouais, ça va très bien. C'est bien comme ça que je voulais les mettre. Hop, hop. Jusqu'ici, en tout cas. Comme ça. La clac, clac, clac. Non, pas ici. Voilà. Et voilà, comme ça, on voit rien. Et ici, on peut travailler tranquille, sans que ça gêne au-dessus. Hop là. Comme ça, on a un petit éclairage sympa. Et puis, dessus, bam, nous voyons absolument que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Là, ici, on va doubler cette épaisseur-là. En fait, j'ai de la peine à m'arrêter. J'ai de la peine à m'arrêter. Alors, doubler ici. Et puis là, on va faire clac, clac. Et puis là, clac, clac.
Et puis même ici, parce que voilà, parce qu'on peut. Et puis là, on est un peu trop haut. Par contre, là, clac, clac. Et puis, là, on va devoir faire venir ça comme ça. Enfin, on va devoir, hein, façon de parler. On n'est pas obligé, on est obligé de rien dans Minecraft. On fait absolument ce qu'on veut. Par contre, ici, what can we do? Si on met ça, non, ça va pas aller. Donc ouais, on va peut-être partir sur du verre, alors. Sur du verre. De toute façon, après, c'est la qualité d'une maison, la qualité de votre construction est énormément définie par les finitions que vous apporterez. C'est-à-dire qu'une maison, bah, voilà, on peut la construire tout simplement. Et on peut aussi ajouter une pétée de finitions. Et c'est le nombre de finitions, c'est le temps que vous allez passer tout à la fin de votre maison qui va définir vraiment la qualité de celle-ci. Alors, n'hésitez pas à passer assez de temps pour finir, parce que c'est vraiment là qu'on voit vraiment la qualité d'une maison, il n'y a pas à dire. Passez du temps sous vos constructions, passez du temps à chercher comment améliorer, comment faire pour donner encore le petit truc qui fera le truc monstrueux. C'est comme ça que les gens vont dire « waouh ». C'est vraiment comme ça que vous aurez cet effet « waouh ». Ah ouais, quand même quoi. Ta maison, c'est de la balle. Et vu que j'essaie de construire que de la balle, pas des balinettes. Alors ici on va connecter ça ici et puis là on va connecter ça là. Par contre là pas, ce qui fait qu'on va mettre de la glowstone ici, on va mettre de la glowstone là, glowstone là, glowstone là. Et puis là on va peut-être faire encore un peu des motifs. Ouais, on va trouver quelques petits trucs, ça va être assez sympa. Donc on disait, on va prendre du simple verre. Comme ça, ici aussi, non pas ici, là, là, tout au schtroumpf, tout autour, hein, donc. Et puis là, on aura quelque chose de comme ça. Par contre, là, je me disais, est-ce qu'on pouvait continuer ça ici et venir jusque là? Normalement, oui, on peut, et c'est même conseillé. C'est même vivement conseillé. Ok, so here we are. Maintenant ici, non, ça fait pas trop en fait de la neige sur ce truc. Par contre là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les connecter comme ça. Comme ça, on a une sorte de barrière qu'on peut passer par-dessus, hein, mais bon, de toute façon, quelqu'un a déjà vu, je sais pas, les barrières, on peut toujours passer un peu par-dessus, il n'y a pas de souci, hein, pas de souci. Comme ça, on a notre balcon ici, donc à voir qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est un peu triste, c'est un peu, il manque des motifs ici, il manque un peu de texture, il manque un peu de choses. C'est un peu tout brun, c'est pas hyper hyper joli. On va trouver quoi mettre. Hein. Ne vous inquiétez absolument pas. Et vu qu'on a aussi une double profondeur, on pourra mettre un peu d'eau si on veut vraiment. Mais bon, je pense pas que je vais le faire. Ça donne vite pas terrible l'eau. Là, on va même aller un peu plus loin. Et puis voilà, comme ça. Comme ça, on n'est pas si mal symétrique. Et puis là, ça fait qu'on doit revenir comme ça. Et puis là, on va revenir avec une profondeur supplémentaire. Ici, Comac. Et là, on va doubler aussi, que ça rejoigne pile poil là. Et puis là, on va avoir... on va continuer ici. Et puis, alors là, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à interconnecter un peu tout ça. C'est vraiment pas facile. Donc là, on aura le plafond qui va mettre comme ça. Et puis... là, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un deuxième encore ici, que ça fasse pas trop trop fin, comme ça. Et puis du coup, hop, et puis là, en fait, on va mettre... Là, ça va monter ici. Et la boucle est bouclée, mes amis. La boucle est bouclée. Donc là, on aura une épaisseur de bois.
comme ça. Et puis après, on aura aussi. Je vais même continuer là, comme ça, ça fera vraiment double ici. Et puis là, on va avoir du Schwartz. Hop là, pas ici, rien à voir. Ah, ouais, si en fait, j'aurais pu la laisser, j'étais pas obligé de l'enlever. Ici donc. Ah, bordel, je clique pas assez vite. Faut que je m'entraîne. Ok, so here we are now. We got this. Alors, comme ça. Comme ça. Il y en a même encore une deuxième. Où est-ce qu'on rejoint? Si je continue ce tour ici, là. Non, je pense qu'on va s'arrêter ici, quand même. Ça fait bizarre de s'arrêter ici, en fait. Alors, soit je peux. Ce que je peux. Let me think. Bon, comme ça, ça va pas mal. On verra à la longue. Hein, il faut revenir, faut repartir, faut voilà, sans arrêt pour avoir quelque chose qui nous convienne vraiment. Là, on avait ces demi-dalles ici pour éviter d'avoir les textures qui se connectent. Donc, on va les remettre. On va remettre jusque ici. Voilà. Et puis là, voilà. Comme ça, alors ça va aller jusque là, connecter ça ici, descendre là, et puis là on va mettre, where is it? Is it here? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça fasse joli? Si on fait ça comme ça, puis que là on met, hop, comme sushi. Ça peut le faire. Je sais pas tellement, on va reprendre. Je vais la laisser un petit moment de côté. Je vais la reprendre, je vais repartir. Enfin, là, quoi. Parce que ça fait un peu tout bleu, blanc et brun. Il manque un peu de trucs. Peut-être que je vais changer quelques petites choses. Genre, si on met tout ça en cobblestone ou quelque chose comme ça. À voir, à voir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Du coup, on n'a pas avancé ici. C'est pas grave, on a fait que cette paroi-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Excusez-moi ma prononciation hyper approximative. Et on se retrouve pour le prochain épisode si c'est pas avant. Ciao, ciao. Bonne soirée.